C'est un immense honneur et un véritable plaisir de représenter Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à cette 10e édition du Forum Rebranding Africa, placée sous le thème à la fois inspirant et mobilisateur, Construire l'Afrique ensemble. Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur Thierry Haute, CEO du Rebranding Africa Forum. Sa vision éclairée et son engagement indéfectible, ainsi qu'avec toute son équipe, ont permis de rassembler aujourd'hui tant d'énergie autour de notre cher continent. Cette initiative témoigne d'une volonté bien réelle de fédérer des intelligences et de concevoir des stratégies concrètes pour transformer notre Afrique en un continent de l'avenir. Je voudrais aussi remercier Monsieur André Flao. Je salue également la présence remarquable de tous les participants venus de divers horizons, représentant des institutions publiques, universitaires, entrepreneurs et activistes de la société civile. Ensemble, nous avons l'opportunité de réfléchir aux voies et moyens de bâtir des ponts, de développer des partenariats mutuellement bénéfiques et de promouvoir des opportunités économiques, non seulement au sein de nos pays respectifs, mais également à l'échelle mondiale. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre des opportunités d'investissement exceptionnelles que je vous invite cordialement à explorer. Comme l'a dit Thierry, c'est vrai qu'on peut nous cocher sur toutes les thématiques qui vont faire l'objet de ce forum. Effectivement, avec ses vastes ressources naturelles, sa biodiversité riche et son potentiel humain remarquable, la République démocratique du Congo est en passe de devenir un acteur clé de la croissance économique en Afrique et nous y croyons fermement. Elle regorge de minerais stratégiques tels que le cuivre, le cobalt et le lithium, essentiels pour les technologies de demain. De plus, sa position géographique au cœur du continent en fait un carrefour logistique crucial pour le commerce intra-africain et international, grâce à ses rivières navigables et son accès à plusieurs corridors de transport. L'engagement du gouvernement congolais à stimuler des réformes économiques et à sécuriser l'environnement des affaires est particulièrement manifeste, avec des incitations fiscales attrayantes, un cadre législatif dynamique et une volonté de dialogue avec le secteur privé. Le paysage économique congolais se transforme pour devenir propice à l'investissement. Investir en République démocratique du Congo, c'est donc à la fois faire un choix économique judicieux et exprimer une confiance dans l'avenir prometteur de notre pays. En conclusion, il est impératif, tous ensemble, de saisir cette occasion unique pour établir des dialogues constructifs et forger des alliances qui favoriseront notre développement collectif. Ce forum n'est pas seulement un événement, mais un appel à l'action, un voyage vers une Afrique unie, prospère et résiliente. Ensemble, nous pouvons bâtir l'Afrique que nous rêvons et veiller à ce qu'elle devienne une réalité tangible pour les générations futures.